Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour faire une petite carte pour la fête des mères. Quelque chose de simple, de fleuri, j'ai choisi. Et je prends donc, moi, ce sont mes cartes de chez Action. Hein. Je vais vous sortir un qui est neuf. Voilà. Ceci, tout simplement. Hop, allez, c'est parti. Pour faire une carte. Voilà. Et j'ai choisi, vous voyez, des chutes en plus. Super bien. Donc, on va mesurer. Parfait. Alors, on va prendre 10 sur... Parce que ça fait 10,4 que je laisse 2 mm en haut, 2 mm en bas. Sur 14,4. 10 sur 14,4. Alors, je coupe. J'ai ma tisane en fait. Je posterai la vidéo lundi, mais pour le coup, on est samedi et j'ai pas prévu de vidéo pour la semaine prochaine. Alors que là, j'ai fait plein de choses avec mes enfants. J'étais en vacances cette semaine, donc j'ai fait plein de choses avec mes enfants. Donc, bah, mine de rien, bah, j'ai pas eu le temps de scraper. Voilà. Et je rebosse la semaine prochaine, donc autant vous dire que ça va être short. Il faut que je fasse mes vidéos aujourd'hui. Voilà. Donc on colle, c'est parti. Alors. C'est vers le haut, voilà qu'on laisse un beau 2 mm environ de chaque côté. Voilà. Donc, je voulais venir y mettre mes petites fleurs que j'ai préparées. Alors, peut-être du un peu gros, hein, mais bon. On vient de mettre une ou deux fleurs. Moi, je fais la totale. Hein. Toujours. Hop, c'est parti, c'est pas grave, ça je vais recoller au pistolet à colle. Voilà. Je voulais y faire un joli petit bouquet comme ceci, puis les arômes vers le haut. Parce que vers le bas, je suis pas sûre que ça fasse joli. Donc voilà. Alors mon téléphone vibre en même temps, mais tout va bien, c'est pas un appel. Hop, voilà. Une rose, une crème et une jaune. Comme ceci. Pour moi, ça serait pas trop mal. J'aime bien. Voilà. Et ici, je viendrai y mettre donc mes petites découpes de papier. Alors, je vais essayer quelque chose de nouveau. Je voulais mettre du tamponnage ici. Pour faire ressortir un petit peu le côté des fleurs. Alors. Alors, comme en ce moment, j'ai envie de scraper avec ça, donc j'utilise ça. Ça fait utiliser du matériel, plutôt pas mal. Donc, je vais utiliser mon texte, comme ceci. Le texte est plutôt gros. Hein. Ouais, je vais en faire un là et un là. Ok. Donc. De voir si je fais ça, ce sera peut-être un peu mieux. Voilà. Tac. Alors c'est parti. Alors je fais pas le bout parce que comme ça va trop se chevaucher après, je tape. J'espère que je la prends dans le bon sens. Je vais regarder. Et ben non. Je l'ai pris dans le mauvais sens. C'est pas grave, on va en faire un entier.
Donc, alors que je me mette bien. On va faire ça comme ça. Voilà. Et ici, on va à peu près jusque là. Alors. Je crois que jusque là, ouais, donc ça va être bon. Ah, allez, c'est parti pour la poudre. Il aurait fallu que je me mette. Bah, je suis en dessous de ça, donc c'est parfait. Mettre tout ça dedans. Voilà. Voilà. Hop, et c'est parti. Voilà. Je l'ai fait de mon côté parce que c'est vrai qu'en temps de tout simplement le sèche-cheveux, franchement, enfin le gun, ça sert à rien. Donc voilà. Concrètement, donc elle est plutôt jolie, j'aime beaucoup. Voilà, on va venir y coller du coup nos petites. Pour moi, c'est très très joli. Hein. J'adore. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je ne sais pas si vous voyez bien avec la. Je vais essayer de cacher, mais. Ça fait super beau. Il y a quelques petites taches, mais de toute façon, elles seront plus ou moins cachées. Et moi, j'aime bien quand c'est grossier. C'est sûr, on ne peut pas lire, mais c'est pas fait pour lire à la base. Ce n'est pas fait pour lire, c'est juste fait pour décorer. Alors, donc, nous allons venir y coller donc nos petites fleurs. J'ai perdu mon verre d'ailleurs. Alors, attendez. Hop. Ici, il y a, ici, il y en a, il n'y est pas. Il est passé où? Pourtant, j'ai pas 36 millions de choses sur mon bureau. Voilà. Et je l'avais il y a 2 secondes. Parce que j'ai dit, il faut que je la recolle. L'avoir sur celle-ci, je vais changer de fleur au pire. Donc on verra peut-être pas si je la coince. Ça m'enquiquine en fait. Bon bref, c'est pas grave. On va continuer sans et dès que je la retrouve, je la collerai. Ce n'est pas un souci. Voilà. Allez, c'est parti. Donc elle gondole un peu, donc il faudra la laisser qui est un peu à plat, mais ça c'est pas très très grave. Allez, c'est parti avec le pistolet à colle. Celle-ci, on va venir la mettre là. Voilà. Tout simplement. Donc je voulais y mettre la rose et la jaune, voilà, comme ceci. Hop.
la jaune juste là. Voilà. Et la blanche ici. Voilà. Donc je vais coller ça ici. Voilà. Alors là, je vais tout coller à pistolet à colle. Pourquoi? Parce que ça va faire une espèce de relief. Et c'est ce que je veux. Une sorte de relief. Voilà. Il ne faut pas trop aplatir. Voilà. Alors ça, je vais pouvoir venir la coller avec la colle normale. Voilà. Je vais y marquer la vie est belle. Voilà. Ben moi, je la trouve quand même plutôt chouette. Voilà. Donc, ma carte concrètement est finie. Je voulais la laisser la plus simple possible, parce qu'elle est déjà pas mal chargée. Je voulais juste mettre en valeur en fait les petites écritures, comme ça, j'adore. Avec les petites fleurs. On pourrait pourquoi pas saupoudrer de paillettes. Moi, je n'en ai pas là, mais vous pouvez y mettre des paillettes, des choses. Je veux pas trop parce que je voulais vraiment que le doré reste derrière. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.